Allez hop, on lance la VOD. Bonjour, bonjour la VOD. Dites bonjour à la VOD. Bonjour la VOD. Bonjour la dispute. On est avec Katox et le Baron d'Onyx ce soir pour une petite session, dès que le jeu arrêtera de me jeter du hobby. Une petite session Darktide de nouveau, dernier soir de la bêta. La connaissance, c'est le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu, c'est pas mal. Seul un imbécile refuse la bénédiction de l'empereur. Il ne peut pas y avoir de victoire sans conviction. Bon, j'étais en train de choisir la mission et je me suis fait jeter, donc j'y retourne. J'ai vu qu'il y avait une petite mission niveau 1. Peut-être commencer par ça pour te faire monter un peu de niveau, Baron. Ah bah, je me suis fait jeter aussi. Tu préfères Baron ou Onyx? Ou le Baron d'Onyx? Ah, c'est le roi de France, tu l'appelles pas France? C'est vrai. Ah oui, je peux pas faire play, parce qu'on n'est pas 4. Quoi, t'es parfait, t'es pas faire play? Non, bah je peux même pas faire play sur un quick play, comment ça se fait? Pas démarrer si on est que 3? Pas démarrer une mission si on est que 3. Merde. Bah tu peux t'inscrire dans une mission, non? Bah tout à l'heure j'ai lancé une mission, quand on a... Ah, j'ai non mais le... Le bouton était grisé, mais ça s'est dégrisé d'un coup, il y a dû avoir un... Oui, en fait tu t'inscris et t'as une recherche. Tu te lances pas automatiquement vu qu'il faut trouver un arbin supplémentaire quoi. Et bah on aura un vétéran sharpshooter avec nous. Et dès que t'es prêt, Lorinix. Je modifie juste mes touches parce qu'il faut modifier à chaque fois. Ah oui, c'est vrai, ouais, les touches qui changent à chaque redémarrage. Ouais. Pas de pression, il te reste 16 secondes. Aucune pression. C'est bon, je suis là. Parfait, juste à temps. Ah, j'ai crash. Non, chat, t'as crash ? Un crash. J'ai cliqué sur prêt, j'ai crash. Mais quel enfer ! Ah merde ! Essaye de relancer, tu peux te... Je crois que ta place est gardée pendant une minute, je crois. Ah, le jeu est en bêta encore, on manque un peu d'autres avec cette bêta. C'est vrai qu'on a coup. On a pas eu de merde hier, mais on a tous des PC assez costauds quand même. Moi j'ai un portable très costaud. T'as une petite biscotte quoi. Ouais, du coup t'es remplacé par... Par Bot Player Dark, 2. Bot Player 2. Après Ready Player 1. Ah, le jeu il prend une plomb à se relancer en plus. Est-ce qu'on a un chat ou un truc du genre? Ok, il y a un chat vocal en jeu mais on l'a pas testé du coup. Ça donne un truc supplémentaire, parce que t'as une gestion de distance et tout. C'est vrai que ça serait fun. Celui qui est en retard, c'est le bot, quoi. T'sais. J'en tape fort. Bon, faut que je m'habitue. Je me suis acheté une épée de force depuis hier. Faut que je m'habitue à son usage. C'est différent. Tout à fait. Du coup, au lieu de parer, elle a une attaque que je peux charger de warp. Ouais, donc t'as quand même perdu pas mal en défense. Bah en fait, ouais, c'est pas...
Maintenant j'ai un bouclier magique quand je veux parer quoi. L'un dans l'autre, c'est pas si mal. Et c'est l'attaque, tu sais, quand tu fais l'attaque spéciale de l'arme là. Pas le bouton parer. Ah oui, d'accord, je vois. Est-ce que t'arrives à relancer, Baron? Oui, mais c'est... il est un peu long à lancer le jeu, je remarque. Et puis il va falloir que tu refasses tes touches en plus. Faire quoi? Bon, c'est vrai qu'il y a encore des trucs à refaire sur la bêta, hein, on va pas se mentir. Beaucoup. Notamment la stabilité. Adieu. Il y a un chien derrière. Ah putain, il m'a chopé. Adieu. Adieu x2. C'est ça quoi, c'est... Ah écoute hein, t'es gros, tu te fais aggro, ça paraît logique. Grossophobe. Ce qui me choque. Bon l'ogre il fait le taf pour nettoyer là parce que... Moi je veux bien nettoyer en haut mais faut me couvrir quoi. Je sais pas où... On va pas gérer ça tout seul. Bah pas quand je suis en train de viser en haut. Surtout. Et bim, les grenades, j'en ai plus, j'ai pas besoin. Et je suis en train de rejoindre. Pour l'instant c'est toujours bot player 2, donc il y a peut-être toujours moyen. Une chance. Ah, et loot là, hop. Ouh, il y a une salle avec plein de petits loot. Parfait ça. Oh. Boomer. Non, c'est juste un gars qui a tiré dans une des... Un des trucs explosifs. Ouais, alors que j'étais juste à côté, assassin. Le vilain, dire les mots. Munition ici. Ta gauche. Le bot fait le taf, hein. Ah non, c'est 6, pardon, excusez-moi. 6 fait le taf. Allez, un petit med. Grenade ici. Oh. Je fais le taf du sniper avec mon petit pistolet, vous m'en voudrez pas. Hold the ground. Le Grim qui rigole. Toujours un grand classique. Elle fait bien le taf cette épée de force, j'aime beaucoup. Bah c'est... Elle est vachement plus efficace on dirait. Même sans charger son pouvoir... Ah, je crois que je suis là. Yes. Ah oui. Lorinix est avec nous. Il est de retour. On t'en a laissé un peu. Changer mes touches vite. Je te couvre. Il y a un gros tas là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir te couvrir contre ça par contre. Ah putain, on nous a mis le feu. Aïe, merci à celui qui m'a sauvé. Désolé Onyx, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là le gros mutant là, j'ai un peu galéré. T'es mort toi? Close s'il te plaît. Ah putain, ils ont popé juste à côté de toi, t'es devant une porte, le baron. C'est bon. J'ai envie. T'es prêt? Et quand t'es prêt. Presque. L'élévateur est prêt.
Et une nouvelle vague qui arrive. Non, elle n'arrive pas. Elle arrivait. Sur la gauche, là, ouais. Ok, c'est bon, je suis là. Ça va bouger, allez go. On va dans l'élévateur. J'appuie sur le bouton en haut. J'ai coupé les jambes du monstre, enfin, plus ou moins. Merde, j'ai oublié de changer une touche. Bah écoute, on est dans l'élévateur, t'as le temps. Y'a 6 qui fait des réflexions là. Un gros tap, comment tu parles de Katox? Bah non, mais justement, Katox il était pas là pour. M'aider. Quoi? Si, si. Tu tournes autour de toi, c'est toi qui es aveugle. On va te dire ça, Katox. Ou taper, pas de problème. Ah, un démonique grosse. Toi, tu seras gentil de mourir. J'active la furnace. J'ai un peu de lag au lancement là, c'est... Peut-être on avance tranquille pour l'instant. Il est plutôt efficace notre ami 6. Donc à... soigner, hop, voilà. Oula, y'a un sniper là-bas. C'est aussi une horde. Ouais, derrière. Mais... Oh. Ils sont en haut. À part des ogres et des humains, il y a la possibilité de jouer d'autres races. Alors pour l'instant, enfin, dans la bêta, non. À terme, c'est pas dit non plus parce que l'Imperium c'est quand même un empire d'humains quoi. Même s'il y a des gens un peu génétiquement modifiés comme les ogrims. C'est pas génétique modifié, ils sont nés comme ça. Ah, ils sont nés comme et ça les ogrims. Il y a ce qu'on appelle des demi-humains. Il y a des halflings, il y a des ogres. Il y a les nains même sont des demi-humains. Et il y a aussi des hommes bêtes. Mais après, normalement, là on a les 4 classes principales. Et de ce que j'ai compris, il y aurait des sous-classes à ces classes. Ah, oui. Après, j'imagine que la question de Falsac, c'était est-ce qu'on peut jouer, je sais pas, des Eldar ou du Chaos, genre de choses, mais je pense pas. Non, pas vraiment, non. Pas le thème, surtout pas dans le lore du truc, vu qu'on est des prisonniers. On est des prisonniers dans le lore, hein, on est des prisonniers de l'Imperium qui sont plus ou moins utilisés en mode on vous balance dans une cité pour nettoyer le truc. Si vous arrivez en vie de l'autre côté, vous avez le droit de virer un jour de plus, quoi. C'est pour régler le problème en fait. T'as une campagne de guerre sur le monde qui est là actuellement, et toi, ils se servent de toi pour nettoyer la ruche. Merde, y'a le Rinx, t'es en train de te faire défoncer le Rinx là. Oui. En fait, j'ai vu des escaliers, je suis monté, j'ai commencé à explorer un petit peu et je me suis retrouvé assez loin de vous. Ah oui, et dans ce jeu, c'est pas bon d'être loin, effectivement. C'était bon, j'ai trouvé un soin sur le chemin. Parce que, en général, quand t'es tout seul, le jeu a tendance à t'envoyer des spéciaux dans la tronche. Elle sait que te dit que t'as pas le chance d'être né comme ça, Katox. Et je pense que Katox est plutôt heureux d'être né comme ça en vrai. Je le dis bien, franchement. C'est pas loin de moi dans la vraie vie, donc ça va.
Surtout la moustache. Sous la moustache. Non, j'ai pas la patience pour la moustache pareil. C'est une méga beba ou rien. Crie, ça crie. Casser le, la vitre. Bah oui, on reste un groupe, nous sommes soudés. Totalement. Ah bah ça, ils font dans le tas, mais ils laissent des mecs derrière. Bravo. Bah j'évite qu'ils tirent dessus en fait. Quelques tirs dans le dos. J'ai cru que c'était à l'allié. Non, c'est des tireurs. Il y en a encore. Parle beaucoup mon gars, je trouve. Ouais, et avec un accent de l'Est, j'ai l'impression. On peut te dire un accent de... Ah, un chien. Waouh, c'était quoi ça? Ça fait mal. Waouh, waouh, on se calme. Waouh. C'est le péril qui augmente. On va méditer un peu. Ouais, on voit les squelettes des alliés quand ils sont à une moyenne distance. C'est assez particulier comme... En fait, tu vois aussi leur cœur. Leur cœur, ouais. Mais je vois la pas couleur trop... du cœur t'indique un peu leur état de santé. Je vois pas trop, ouais, comment ça se justifie techniquement, quoi. Mais bon, au moins comme ça, on peut voir les où sont les alliés et les situer assez facilement. Ça donne des indications, voilà quoi. D'ailleurs, je serais pas contre un petit soin là. Ça commence à être un petit peu critique. T'en as un juste ici. Bah, parfait. Parfait, parfait. Et bonsoir Slian, merci pour le follow. Bienvenue sur le live. Bienvenue sur la chaîne. Voilà, un petit. C'est parfait. Ça a de la gueule quand même, hein. Ouais. Je peux pas dire. Tu as vraiment l'aspect cité ruche où t'as une fonderie d'acier juste à côté d'une déchetterie. C'est légit, hein. Oh, faut bien du carburant pour la fonderie, hein. Purge de démonique bon. Infestation. Purgeons-les. Tu dirais que la justification, c'est pas magique, c'est quantique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai besoin d'aide. Non, c'était ouf. Où t'es où? Ah bah t'es... En fait, on... Ah, j'ai eu un moment de lag et je suis tombé dans un trou. Ah oui, t'es suspendu dans le vide là, c'est ça? Putain, un, deux... Mais c'est pas le moment de recharger ton flingue. Je savais pas que c'était possible. Ah, excusez-moi, je n'ai pas. Le qui arrive comme un héros. Pardon. Putain, y'a un filet, merde. Merci bien. Bon bah, moi j'ai pas réussi à venir t'aider. Quelqu'un qui m'a balancé un filet juste derrière, qui a foutu le feu à toute la zone. Et bah, Slian, ça va très bien. Et toi? Bienvenue de nouveau. Un petit soin au sol là. Bien, bien dans sympathique. La zone ici, Ouais, j'y reste. Bah, je suis full là. Pas ces corruptions. Non, je parlais à. Bon. Ah oui, le Rinx. Manix. Oui. Baron, approche-toi là au sol. Il y a un truc vert, voilà. Il fait une brume de soin. Toi, ça te remonte ta vie quand t'es dedans. Incoming. Au niveau munitions, vous êtes bien? Parce que moi, j'ai remarqué. Enfin, j'ai fait qu'une mission, mais munitions avaient tendance à descendre très très vite. Oui. Ouais, enfin, il y a des caisses de munitions de temps en temps par terre, faut essayer d'en penser. Et d'ailleurs, t'en as une dans les mains là. Oui, je que tu peux, que tu peux poser. Je m'en étais même pas rendu compte. Tu peux la poser au sol et ramasser du coup. Ça s'active avec 4.
Ah, c'est quoi ça? Ah putain, c'est l'œil là qui fait de la merde. Ah, il y a des gens derrière. Ah ouais, on s'en occupe de la Demonic Water, c'est bon. Allez, on barre les Ironix, faut pas traîner. Ils nous attendent pas les autres. Hein. Y'a Tox et 6 là. Ah oui. Ils sont taqués du taquet quoi. Oui, c'est vrai, je sais. Bordel. Attends, y'a un lance-flamme en plus. Ah merde, t'es en haut en plus, je peux pas t'aider. Ah, on remonte. Ah merde, le filet. Quel enfer. La partie violette dans la barre de vie, c'est quand tu prends trop de dégâts en fait, tu deviens corrompu. Et du coup, merci beaucoup. Et du coup, quand tu es corrompu, ta vie ne max ne peut pas redescendre. En gros, ça descend à ton niveau de vie max quoi. Ah putain, ils sont partout! L'épée, je veux mon épée, donnez-moi mon épée. Ah bah, cet après-midi, j'étais en médium, j'avais 2-3 freezes de temps en temps. Là, je suis en low, c'est vraiment des gros freezes. C'est compliqué. Ah mince. Là, c'est chiant par contre. Peut-être parce qu'on est plusieurs, c'était avec des bots, non? Non, j'étais avec 3 autres personnes. Ah. Bien. Un peu la. C'est le. Allez. La map hein, qui demande plus d'efforts graphiques. Oui, c'est vrai que la map avec toutes les flammes et tout partout. Déplaise. Ouais. Derrière toi, Lyrix. T'as une mitrailleuse, c'est le moment de la sortir. Ouais, avec si c'est Katox qui pense dans le tas, je t'en branle. Un petit peu de... T'as de la vie, Katox. Tu tires dans le tas, tu t'en fous. Mais ça, c'est pas... Katox, il tourne en rond et il bute tout ce qui passe, de toute façon. Ça va être un peu plus calme, là. Il y en a encore qui arrivent. Alors tu peux faire disparaître ou réduire la barre quand tu trouves une station de soins. C'est le seul moyen. La station de soins, on en a vu quelques-unes, c'est un espèce de bâtiment qui te donne des... T'as des espèces de gros pics qui viennent te planter pour te sauver un peu de vie quoi. On a dit qu'elle te soignait, on n'a pas dit qu'elle te soignait sans douleur. C'est ça. Elle t'enfonce des grosses aiguilles dans la tronche. Faut se replier, Katox et l'Eurynix, là, sur le point d'extraction. On couvre l'entrée avec 6, mais on va pas pouvoir le faire 10 ans. Allez, cassez-vous. On se replie. Donc en fait, quand tu prends une station de soins, ça te soigne toute ta vie, et si t'es corrompu, ça soigne tout ou partie de la corruption. Je crois qu'une barre, il te soigne complètement en dessous... Allez, courez là. Il suffit de rester en arrière à tuer des gens pour le plaisir de tuer des gens. C'est dingue ça. Avec le lag, je suis même pas sûr de toucher. Moi je touche. Et je tue. Pareil. Dès que tu vois 4 personnes partir en arrière d'un coup, c'est que c'est moi qui tire. C'est le GG. Est-ce qu'on a un chat? Pas de chat. GG. Si, si. Non, pas pendant les cinématiques. Ouais, pas pendant les cinématiques. Pendant le jeu. GG. Allez, j'envoie un petit GG. Merge Strike Teams. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas de kick emetteur. Oh, je gagne une épée de force que je viens d'acheter, quoi. La tristesse. La tristesse.
Ah bah... Laissez la flamme Cadeau de de la l'empereur, un haine. pistolet que je viens de gagner avec mon level up. Normalement, tu gagnes une arme quasiment, une arme environ par. Oui, là j'ai level up, j'ai gagné un pistolet mitrailleur. Et j'ai eu en plus un cadeau de l'empereur, le même pistolet mitrailleur. Alors, il est peut-être un petit peu plus fort. T'as des stats qui varient un peu. Je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Voir dans ton inventaire, tu fais 1 pour aller dans ton inventaire, faut que tu cliques sur une des armes, donc le pistolet mitrailleur, pour voir ce que t'as dans ton inventaire. Et là, tu peux pouvoir comparer les différentes stats. Attaque, heavy attack, strike, down, spécification, warp charge. Ok. On peut cacher les informations pour voir juste. Hyper. Et au niveau revolver, on a toujours notre petit revolver tout bidon. On a de quoi acheter un revolver un peu moins tout bidon. Je suis sûr que je peux avoir mieux que ce revolver. Même pas, hein. Le meilleur, ça reste un revolver quand même. Prendre. Et dépenser l'argent, c'est le dernier soir. Cool. Vous êtes chaud pour une autre mission, vous me direz. On était vite là. Juste regarder un petit peu ce que je peux avoir comme équipement. Yep, mais tu sais si où est l'armurerie. Oui. On vient de débloquer des feats normalement au niveau 5. Ah. Ah oui, exact. De lumière. Alors. C'est bon. Tu. Ok. Pas trop. Ouais. Ça le plus utile pour l'instant. Pour moi, en tout cas. On va récupérer 15 de notre petite armure bleue là quand on tue un ennemi avec une attaque basée sur le warp. Ouais, c'est pareil sur une attaque lourde. Sinon c'était 50% en 5 secondes quand on tue un ennemi avec le truc du Brain Burst. Mais le problème du Brain Burst c'est que je m'en sers très peu parce que c'est quand même très long à charger et sur les ennemis faibles il sert à rien. Et sur les ennemis forts bah faut réussir à le caler quoi. L'autre c'était quoi? Ouais. Remplir 7% d'armure pour chaque 10% de péril qu'on a rabaissé. Pareil, c'est pas tant que ça pour baisser. Alors Sliane, est-ce que tu viens voir un petit peu de Warhammer 40K ou t'es tombé comme sur nous par hasard, comme ça? Je m'intéresse un petit peu aux nouveaux qui arrivent, comme on débute un peu sur Twitch. T'es pas obligé de répondre, hein, je précise, il n'y a pas de lézard. Comme on dit, dans le jargon. Je vais boire un coup. Dans le jargon ancien. J'appellerai cet épisode le baron entre en scène. Le baron lagueur. Le lagon entre en scène. Ah, parfait. Ah, même dans le hobby, je lag. Quel enfer. Le hobby, il est balèze à afficher, hein, faut pas croire. Hein. Quand t'arrives dans la salle d'émission et que tu lèves la tête, là, les effets de lumière et tout, c'est un peu la teuf, quoi. Alors si t'as une Nvidia, je sais que Damned hier disait qu'il laguait moins en activant le DLSS. Donc si t'as une Nvidia, tu peux essayer dans les options. Il laguait moins en quoi? En activant le DLSS. Qui oh, c'est est... Où, c'est où? Oh, il y a du ray tracing. Je vais planter en faisant ça. Oh, la vache! Ouais. Alerte lag! Ah ouh! Alors oui, c'est plus beau! Mais ça pique le cul. Ouais, il faut au moins une RTX et je pense au moins une 3000 pour. La gamme 3000 pour pouvoir activer ça. Le ray tracing déjà, ça passe pas chez moi. Est-ce que tu peux l'activer?
Bah toi t'as pas une Nvidia, donc c'est pas sûr que tu l'aies. Mais dans les options vidéo. Toi tu dois pouvoir mettre le AMD FSR par contre Katox. Après ouais, tu dois pouvoir mettre du ray tracing quand même. Ultra qualité, voilà, on va tester ça. Moi je suis en médium. Le jeu est quand même pas si mal, je suis en médium. Laisse-moi attendre l'oreille, voir si mon PC commence à ventiler un peu. Pour l'instant rien. C'est ça, Usu, faut que je me mette à regarder un truc, que je l'active, que je bouge pas, que je regarde la beauté de l'action et après je l'enlève. On va essayer si en low ça passe, mais j'y crois pas. Wow. Ouais, mais. Je. T'as mis un. Tu lags, ça y est? T'arrives à le faire laguer? Non. Ah, je crois que tu disais, non, non. Je crois que, tu disais que tu laguais. Non, je valide la beauté du truc. Ah oui, non, mais tu viens. Avec la petite cacahuète que j'ai, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ah non, mais c'est pour ça, je m'étonnais que tu l'aies, je me disais bon, ça. Après, c'est possible hein, sur un jeu assez mal optimisé. Ouais, en low ça passe, ça lag pas trop et on sent quand même bien les effets de lumière. Là. Je fais tourner Cyberpunk en high sans tout sauter, alors bon. Quand même. Alors, Falsec demande ce que tu as comme carte. T'en souviens, Katox. Ouais. AMD. Je sais plus combien. La série 6000, quoi ça non. Une 6900 plus, je RX, je crois, ouais. C'est... ouais. Bon. 6700 XT. Ah, c'était une 700, ok. Ouais. Oh, c'est le Prosso qui est peut-être une 900. Je ne souviens plus de leur gamme. Je confonds toujours leur. On sort le même nommage, enfin le même chiffre, mais il y en a juste une. C'est les RX. Les RX, ça doit être les processeurs. Si vous êtes chaud pour une autre mission. Ouais, j'ai processeurs, ouais. Bah, c'est un Ryzen 9. On se lance un niveau de difficulté 2, on tente. Ouais, allez. C'est parti. On va laisser tomber les objectifs secondaires, peut-être. Je me suis fait down que 3 fois dans la mission facile, ça devrait aller. Ouais, ça casse. Alors, Falsec, pour la petite histoire, Katox m'a demandé de monter son PC en début d'année, là en mai, je crois, c'était, en juin, dans ces eaux-là. Non, c'était avant la naissance de la petite, donc c'était plutôt début février. Si tôt que ça? Ouais, parce que je l'ai récupéré 2 semaines avant la naissance de la petite, donc c'était mi-mars. Et je me semblais que c'était un petit peu plus. On va avoir un deuxième Ogryn avec nous. Très bien. Yes. Et donc t'as monté mon PC. Et donc du coup voilà, je vais monter. J'ai acheté les pièces, monter le PC. Malheureusement, bah oui, on devait monter en Belgique, te l'emmener. Mais sauf que comme c'était 2 semaines avant la naissance, on s'est dit c'est peut-être une idée de merde si jamais ça se déclenche et qu'on est là. On va passer un week-end à la maison pendant que vous êtes à la maternité, ça va être un peu dommage. Donc on s'est démerdé autrement. Mais c'est littéralement 3 jours plus tard, on avait plus de fenêtres donc. Oui, en plus, ouais, t'étais en plein dans les travaux, il n'y avait pas de chauffage, c'était la merde. Oui, pas de pression, pas de pression du tout. Tout était dans les temps. La maison était parfaitement habitable pour un bébé. Voilà, ça a été 6 mois de pur bonheur, sans stress, rien du tout. Je n'ai absolument jamais perdu 15 kilos en 6 mois. C'est vrai, ils sont compensés par le PC, c'est pas grave. Ouais. T'as bouffé du riz pendant 6 mois, c'est surtout ça en fait. J'ai bouffé des myrtilles. Des myrtilles, c'est vrai. Les fameuses myrtilles du... Les fameuses myrtilles. Et c'était pas sur Battlefield, non, c'était sur le Warhammer 2, la coop Warhammer 2 que... Bouffé des myrtilles. C'était ça, non je pense que c'était même avant. Les myrtilles, c'était sur le... Allez. C'est pas là. Le... Stoners. C'était sur Stoners. C'est vrai, exact. Même le bébé était dans les temps, dit Falseg. Ouais, non, plus tôt. Enfin, au moment prévu, mais plus tôt quand même. Bon, j'ai tout foutu à fond. Non. Pas tous les jours en tout cas. De temps en temps, quoi. Tout ça, parfois. Comment il s'acharne. Regardez l'Ogryn qui s'acharne quoi. Ah oui, t'as plus de jambes. Bah voilà, t'as plus de tête maintenant. Pas de bras.
Vache, on va peut-être, il va peut-être nous manquer le Star Trooper là. Crève, crève, crève toi aussi. Ah merde. Ça, c'était une idée à la con. Bon, pour l'instant, pas un lag. Hein. Moi, j'ai pas encore eu de horde, mais. Je pense que sans, enfin, l'optim est pas si mal là actuellement. Non. Wap quoi. Je pense que non, toi ça devrait pas trop tousser. Hein. C'est tellement... En fait pour la vérité, je l'avais lancé en high mais à la première bêta. Mais c'était. En fait c'était le lot, il n'y avait pas de. De différence graphique. Comme je vous envie de ne pas avoir de lag. Donc ce qui fait que quand je l'ai lancé ici, j'ai pas fait attention. Mais en fait il était en lot, mais tu sais j'avais pas tilté. Dans l'Orinix en avance. Et là du coup là ici je viens de tout balancer en high, je fais ah ouais il est beau. Ah bah oui, si tu jouais en lot jusqu'ici, oui. Oui, mais j'étais encore... Alors là-bas, il y a une station médic. On parlait tout à l'heure. Ah putain, c'est ouf. Mort. Qui me tire dessus. Putain, ils sont là. Moré, moré. Je lag tellement que je peux pas jouer distance parce que j'arrive pas à viser. faut que tu redémarres en ogrim, ouais. On serait full ogrim. Ça devrait être, ça être une strat, hein. Ouais, y'a des chances, ouais, parce qu'il est quand même hyper costaud. Putain, ils ont foutu le feu sur le chemin, je peux pas vous suivre. C'est par haut, tant pis. Bah, je trouve une power cell, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais la garder. Merci de mourir. Mourir. J'ai du monde. Ah bah, première horde, on va voir un peu ce que ça donne. Bah franchement. Le PC il tout saute même pas. Pour te dire, sur Warhammer 3, la campagne... la map de campagne, il... y a plus de mal. Ah bah ça devient une soufflerie le truc. Ah oui, là il est pas trop là. Mais je crois qu'il doit y avoir une boucle dans la campagne de map parce que franchement, en map stratégique, tu vois, enfin, en map tactique, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu commences à avoir découvert pas mal de trucs dans la map de campagne. Non, instant. Genre, même quand il n'y a aucune faction ouais. Et tout découvert. Je lance le jeu, il a un truc sur la map de campagne, et il souffle. Après il souffle, il lag pas. Non, il lag pas, mais il souffle à crever. Oui, donc... Et puis je me mets en map tactique, et là, pas de problème. Je lui avais mis quand même un paxon de ventilation adaptable, donc... Normalement, il souffle quand il a besoin, quoi. Bah, il est toujours sur 1 là. Il peut qu'y souffler. Je l'entends quasiment pas. C'est un plaisir de dégustation. Aïe! Et tu vois que niveau 2 il commence à être solide un peu les games. Hein. Ouais, on sent la différence de difficulté. Ah putain, le chien. Je suis un gros poisson. Monter libre. Mais non, j'ai rien. On n'arrive pas à le buter ce foutu filet là. C'est relou. Et il est mort. Ah putain. Ouais, le temps que je charge mon épée, vous les avez tous massacrés. Quoi. Un sniper, merde. T'as oublié le power cell, Katox? Non, mais pas oublié. Ah, bah j'en ai un aussi. Ah oui, je dois le dropper pour me battre, mais tu l'as avec toi. Ouais, mais il était en haut de l'escalier. Je t'ai pas descendu. Je t'ai pas descendu. Ah, t'es pas descendu. Pour qui me prends-tu?
quelque chose d'inutile. Vous pouvez me couvrir, comme ça. Je peux essayer de me faire le sniper, mais. Aïe. Oh putain. Parti, c'est démarré. Ah putain. Oh, ça pique le... Die! Die! Monsieur, tout donné sur le lance-flamme là. Help me! Help me! Please! No fight, no Russian Spartan! Hello? I'm still here! Thank you! La voix de ton perso est insupportable. Ah ouais, elle est pas mal hein. Il a une bonne voix, on a envie de le sauver. Le mec, aucun problème, quoi. Venez m'aider. Venez m'aider. Non, mais je suis là, hein. Je suis toujours là, au fait. Ne m'oubliez pas. Je suis touché par le War, le truc qui risque de me transformer en démon et de que je puisse t'arracher la tête en 2-2, mais à part ça, tout va bien. Bah, si tu me relèves pas, je t'arrache la tête en 2-2. Facile, c'est simple. Bah, non, tu seras pas relevé. Ouais, bah, c'est trop compliqué à utiliser ce truc. C'est... Et un peu. Un lance-poison, bah ouais, c'est vrai que le feu est un peu vert, hein, on peut pas se mentir, mais. C'est du feu de nerveux. J'ai vu passer un rayon de sniper là. Ouais, moi aussi. Voilà, dans la tête, le sniper. En parlant de feu vert, le feu grégeois il était pas vert? Alors là. Toutes les images qu'on a du feu grégeois à chaque fois c'est vert, non? En fait, c'est une légende de feu grégeois de dire la fameuse recette qu'on va se retrouver, etc. Déjà, ça n'a jamais été établi. Et en fait, tout ce qui est considéré comme mettant le feu, étant difficile à éteindre, a été considéré comme du feu grégeois. Qui brûle sur l'eau. La fameuse recette. Brûle sur l'eau, c'est que c'est potentiellement du pétrole. Ouais, un truc qui va sous l'eau et qui se réallume quand tu sors de l'eau, c'est qu'il y a potentiellement... ce qu'ils avaient dit dedans, enfin des trucs, des braises qui se faisaient enflammer, enfin bref. En fait, la fameuse légende, c'est plus pour faire peur qu'autre chose. Selon la dernière trouvaille historique. On rappellera que Katox est prof d'histoire. Orinix, par là. Ouais, d'accord, j'arrive. Oh putain. Ah voilà, tu peux plus nous suivre. Je peux pas trop passer. Pour l'instant. Bon, j'ai chopé le bomber déjà. Il y en avait deux. Pas court. T'as la cellule d'énergie, c'est bon, Katak, je peux descendre? Bah, tu portes, je vois. Prendre un peu de balles parce que. Ça manquait à force de sniper les gens là. I find it's better to keep an open mind. L'autre là-bas, là, il allait. Hop là, voilà. Bête. C'est le malin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bomber en arrière? Ah oh, putain, il y a un gros mutant avec un bouclier. Help! J'arrive. C'est pas le bon que t'as chopé, mec? Ah. Courez, courez, courez. Il ne peut rien. Bon, j'ai réussi à lui envoyer un truc de péril, mais je suis dans le mal. Là. Je quelle le péril. Dit dans le jargon. Donc je peux dropper la cellule, hein, parce que moi je peux courir avec. Ah bon. Y'a pas une station de soins quelque part là? Je crois qu'il y en avait une dans les
ce Bray là. Ah, les mecs qui tombent du ciel quoi. On a bug. Hop là, tu tires vachement moins bien quand t'as plus de tête, mec. Pareil quand il a plus de jambes. On ne me demandait pas à quoi sert la, la cellule, j'en ai aucune ouais, idée. Ouais, j'avoue, mais en plus on n'avait pas d'objectif spécial, je crois, dans cette mission donc. Non, mais c'est pas la première fois que dans cette mission je trouve une cellule et. Ça suffit. Et voilà. Silence. Normalement, il y a un truc de soin juste là, ouais, parfait. Ah putain, il s'est fermé, il n'y en avait qu'un. Bah désolé, c'était pour moi. La mono-use. Ouais, mais en même temps, j'étais le plus endommagé, donc. Le prochain est pour Katox. Bon, c'est vrai, ça doit aller. Elle, on peut leur enlever ça, ils ont des couilles, hein. Le mec qui contrecharge un Ogryn. Quand même, ils sont aveuglés par leur foi dans les dieux sombres. Ah. Oui. Aveuglés par de fausses promesses. Et dans le chat, c'est les pseudos qui sont là, pas les noms des joueurs, enfin des personnages. Oui, c'est incohérent, je trouve. Ah, soit tu mets le pseudo et dans le chat t'as le pseudo parce que parfois tu sais pas vraiment qui est quoi. Ah ouais, je sais que c'est lui qui parle parce que bon bah logique quoi, y'a que lui mais. On est trois à se connaître. Ça va beaucoup mieux là, ça va beaucoup moins de lag, ça fait plaisir. C'est des endroits un peu plus fermés, tu vois. Ouais, y'a pas trop d'ouverture, pas trop de flammes. Un peu moins brutal à afficher, on va dire. Ouh. Toxic court, moi je suis. Hein. Oh, là j'aime bien. Oh. Dans le couloir. Bim, bim, bim. Quoi, ça a servi à rien, mais c'était bon. Bon bah, si, soyez. Il se part par là. Grenade ici. Ah, on va suivre Katox. Il y a la cellule d'énergie. D'où le gros tas là. Et chez vous. Ah putain, merde, il est là. Aïe. Aïe. Allez, comment tu veux que j'utilise. J'ai aucune raison d'utiliser mon pouvoir quand il y a des Ogryn dans le groupe, quoi. Même mon flingue est plus utile. Voilà. Oh non, pas ici. Ah putain! Ouais, ok, bon là j'avoue. Ouais, il va falloir descendre. Parce que là, ici, on va se faire juste shotter. Après, on peut tenter le kite autour du poteau, hein, mais. Il vient dessus, pourquoi il vient dessus? Bon, ça lui fait des dégâts quand je tape, mais c'est une saloperie, hein. Waouh! À l'autre côté de la map, je le vis bien. Je peux pas remonter. Il t'en veut vraiment. Je peux pas remonter, mais essaie de balancer la selle parce que je l'ai laissé en haut. Ah non, j'ai balancé en bas, c'est bon. Ouais, faut que je colle un peu. Je vous propose de descendre parce que si. Nous on peut pas descendre, enfin, on peut pas remonter donc si vous faites tuer en haut, vous ne pourrez que mourir. Un cadavre qui a suivi, c'est l'Onigri. Ah non. C'est beau. Ça va TPV
Baron, t'es serein? this is fine. Pas de soucis. Il m'a chargé deux ou trois fois, j'ai juste eu un dash à travers. Ouais, il me reste 4 munitions quoi. Reste par terre. Ouais, quand il lance, t'as, t'as besoin de munitions, il y en a ici. C'est bon, on a encore. Moi j'en ai plus beaucoup. Oh bonjour. Oh. Comment tu veux viser? C'est impossible de viser avec cette compétence. Je vais faire down, je vais faire down, je suis en feu. Putain la vache, le lance-flamme il fait tellement mal aux fesses. Ouais, mais je sais pas où il est dans la mêlée, c'est ça le problème. Bah pareil, ouais, moi j'ai jamais réussi à le choper. Ah mais ces flammes sont Je suis un bacon. Meurs, 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 meurs. C'est bon, tous morts. Allez. Merci Urinix. Je rechope la console d'énergie, c'est bon. Yep. Oh merde. Balle, je recharge. Bim, boum, boum. Autre. Caution, Kindred. Holding this place be no easy task. Plus de munitions, hop, une petite ammo box. Un endroit où je peux déposer ça. C'est. Ouh, ça dépote. Je sais pas, c'est peut-être juste que si tu l'amènes à la fin, on aura un bonus. Hein. Bah oui. Ça ressemble bien à un control room ça. Ouais, ça, okay, je me dis, c'est un endroit où le clac. Ah, ils sont... Ah oui, c'est vrai, c'était un truc de munitions, donc en plus on va devoir charger ça dans les Walkiri, mais... Parti pour les Squire défense. Un truc de soin, parfait, il reste une charge. Il reste des munitions? Non. Non. J'ai une potion. Non, t'as une caisse de munitions sur toi au pire. Oula, oui. Putain la vache, quand on arrive en truc ouvert, c'est plus la même là. Niveau lag. Oh coche. Oh putain, je le sens là. Ça va être plus chaud de faire des headshots là. Vous me dites dans le chat si ça devient un peu trop insupportable, je rebaisserai la qualité. Merde putain. Oh t'es tout seul de ton côté. Ouais bah j'étais en train d'empêcher tous les tireurs de se pointer mais Ah oui, avance je te couvre. Avant, ouais, je vois ça, il me dit qu'il y a des trucs verts qui me tirent dessus derrière. Ah ouais bah là. Reste 3 balles. Les mines. Bah j'ai posé le truc de munitions. Ah ça remplit tout, ok, je pensais que c'était limité mais... Ah, il y en a un ici aussi sûr. Ah non bah du coup le tien en recharge à 100% donc... Incroyable. Ouch. À terre, bande de fumier. Putain. Ouais, c'est pas fait pour du hack and slash ses compétences à l'autre. Et vraiment pas assez. Bon, faut suivre les Ogrings, ceux qui portent.
faire du volo, quel enfer. Je suis sûr que l'optimisation sur cette map ce sera d'avoir 2 ou 3 de green, tu vois. Ah bah, pour le final. Je vais t'appuyer dessus derrière. J'appuie beaucoup de vie. Je vais poser un truc de soin sur la plateforme là. Ouais, bonne idée. Dans la quantité de. Ah, y'a un sniper, qu'en faire. Il est où? Ah merde. J'ai été jeté. Jeté, comme ça? J'étais déconnecté. J'essaie de reconnecter. A priori. Ok, sur l'écran de chargement, vous êtes tous avec moi. Oui, ça m'arrive à. Dans la Valkyrie avec le speech de début de mission, quoi. Oh oh oh. Ouais, disconnect aussi. Ah merde. Qu'ils ont pas fermé la bêta. Ah oui, je suis avec 3 bots. Ah bah, je me suis fait jeter aussi. Merde, je suis avec 3 bots. Ils sont en train de clôturer le truc en fait. C'est un peu ça, ouais, ils ont fermé la bêta. Non, pas, c'est bon. On est pas à leur pile. Je suis dans la Valkyrie, sauf que je suis tout seul. Bah, moi j'étais avec vous tous, mais là du coup maintenant je suis tout seul donc. Oh, c'est vraiment reconnu. Je me suis retrouvé avec 2 bots au moins. Avant de me faire des coups. Bah, là je suis avec 3 bots donc. On va tenter de finir la mission quand même. On verra après dans le hub une fois ce que ça donnera. Allez, on va laisser les bots gérer ou on s'occupe. Ah, c'est bon, moi tout le monde est là. Non, je vois Katox, vois le mec qui est avec nous. C'est bon, tout le monde est reconnecté, il y a eu un lag, faut croire. Ah, t'es filté. Par contre, du coup, je crois que j'étais avec tous les bots et du coup, je suis tout seul. Vous êtes là? Bah non, t'es avec nous. Non, mais je veux dire, vous avez réapparu là où vous étiez, c'est-à-dire au bout de la map, quoi. Même pas. On te surprend la place du bot. Moi, je reste pas là, On trouve les caisses de munitions pour ceux qui regarderaient le live et se poseraient la question. Il y en a une là. Un bazar, il tient la le truc tout seul là. Oh putain. Je vais essayer de sniper un peu, mais. Ils sont nombreux quand même. Oups. Les têtes qui dépassent là. Oh. Je viens de bugger sur l'échelle, c'était assez bizarre. Ils sont tous derrière leur petit sac de sable. Hein. Ah. Oh putain, ça tabasse. C'est qui est à terre, Baza qui est à terre. Récup, c'est bon. Voilà, tu tires pas dans le dos des gens. Mal poli. On a plein sur la plateforme. En fait. Oh oui, bah y'en a plein derrière aussi. On a plus sur la plateforme. C'est Arc Revolver. On a toujours la capsule d'énergie ce soir. J'arrive en masse de nouveau. Elles sont où les. Je m'apprête à dire qu'ils tombent du ciel, mais non, c'est juste les The Green qui les font voler. Oh, y'a des mecs là avec des gros. Yapons. On peut rester sur la plateforme parce que j'ai bientôt fini de charger tout. Souci, on tient sur la plateforme. Ah, y'a un sniper. Ah putain, la vache, il m'a shooté. Un sniper, il fait. Ah, désolé, on voit que je suis mort, ça rentre hein, du coup. Sniper, je vais me le faire si quelqu'un me ressuscite. Mets-toi accroupi devant quelqu'un s'en est occupé a priori. Non, il est debout. Non, c'est ce que je l'ai couché, mais on va peut-être y aller. On m'en occupe, c'est bon, il est mort. Nettoyé. J'aime bien sniper avec les petits flingues comme charge. Ça. On charge. On s'arrache. On l'attend pas. On s'arrache. T'as pris la capsule énergie? Ouais, on va voir si je fais pas planter le jeu. Life Leash, pénance completed.
Ah. Le jeu a planté. Ah merde. Ah oui, t'as été déconnecté, ça nous dit. Attends, sur le truc de récompense, sérieux? Abusé. Ouais. Alors on a un secondary objectif à 340, mais je sais pas si la capsule nous a servi à quelque chose aussi. Non, j'ai pas l'impression que ça nous a donné grand chose. Le victorieux vit dans l'honneur. Le vaincu meurt dans la honte. La de la nation est éternelle. La foi les conquiert tous. Bon, on va pouvoir arrêter le petit épisode de VOD là. Parfait. Ah, je crois que j'ai planté. Je sais pas si vous m'entendez toujours. Ah, c'est bon, t'es revenu. Ah oui, j'ai eu un crash. J'ai eu plus. Bah, du coup, le bon moment pour arrêter la VOD, si vous voulez dire au revoir à la VOD. Tant que le jeu redémarre. Ciao, ciao. Goodbye. Au revoir la VOD.